vous bénisse. Nous pouvons nous tenir debout pour commencer le service. Nous allons chanter un petit cantique qui va nous introduire dans le pré-service. Cet après-midi pour cette occasion, Seigneur, que tu nous rassembles en voyant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette circonstance qui nous est arrivée, Seigneur. Tout est ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas en dehors de ta parole. Tout ce qui nous arrive, toi Dieu, tu y avais déjà, oh mon Seigneur, mon roi, d'après ton plan, Seigneur Dieu Tout-Puissant, placé sur chacun de nous, Seigneur. Toi, tu connaissais que c'était le temps pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de retirer ton serviteur, oh Dieu bien-aimé, sur cette terre équivalente. Ainsi, nous nous inclinons nos têtes devant toi, en signe du respect, Seigneur, te demandant, Seigneur, que toi, la grande colonne de feu,
toi qui as marché avec Moïse en son âge, toi qui as marché avec William Marion Branham dans cet âge, que tu sois parmi nous ce soir, Seigneur, pour coordonner toutes choses au Père éternel et nous mettre dans la conduite du Saint-Esprit afin que ce service, Seigneur, rende gloire à ton Saint-Nom. Ainsi, Seigneur Dieu bien-aimé, quand nous allons lire au Père éternel cette écriture, que ça puisse consoler chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, le même hier, aujourd'hui, pour toujours, Jésus-Christ est ton nom. Viens maintenant, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous consoler, mais le Saint-Esprit parmi nous, Seigneur, ta présence au Père éternel avec chacun de nous est capable de nous consoler, capable de nous bénir, capable de nous donner la force et capable même de nous prêcher ce soir. Ainsi nous te remettons, Seigneur, ce service entre tes mains. Bénis tes enfants rassemblés ici. Bénis les frères et sœurs. Bénis la famille biologique. Bénis chacun de nous, Seigneur. Alors que nous remettons le tout entre tes saintes mains, dans le nom précieux et tout puissant, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vite, vite, nous allons ouvrir nos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 3. En commençant du premier verset jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pieds, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille et retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occasion, occupation, Dieu soumet les fils de l'homme. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir sans toutefois tarder. C'est vrai, voyant la condition de notre pays et de notre ville, ça ne me donne pas le temps de traîner souvent, puisque nous tous, nous n'habitons pas le quartier. Les gens sont venus d'ailleurs, d'ici là, dans cette ville. Si nous allons passer vite, vite, comme nous avons déjà prié, j'appelle maintenant le directeur de chant. Il peut passer maintenant, nous conduire dans deux chants, et après quoi, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre encore seulement
le numéro 80. Amis de Jésus. Fardeau, Dieu donne à son fils
sauveur. Oh, il réconcilia, son fils sera, lui pardonna son péché. Alléluia, il endurera, sans cesse, c'est toujours le chant des saints. Voici l'amour de Dieu, oh, l'amour de Dieu, bien riche et pur, il est sans mesure et fort. Alléluia, il endurera, c'est toujours le chant des saints et des anges. Quand les temporels va disparaître, ton royaume terrestre est ton. Même si les hommes qui refusent de prier et d'invoquer sur roc et montagne. Alléluia, dès l'amour divin.
pour moi l'amour.
vous saluons dans le précieux nom du Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Tunamisalimu mujina ya damani ya Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mungu abariki kila moyo wenu. Nous sommes des chrétiens. Sisi ni wa Kristo. Nous pleurons comme des chrétiens. Tunaria sawa wa Kristo. Là, Paul disait à Timothée. Paulo alikuwa akielezea à Timothée. Dans chaque occasion. Mukila wakati. Favorable ou non. Ikuwe mzuri wala hapana. Prêche la parole. We ubiri neno. Donc nous sommes là en train d'apporter la parole de Dieu. Bien que nous sommes en train de pleurer, mais nous pleurons comme des chrétiens. Alors nous pouvons prendre nos Bibles. Nous allons un peu lire la Bible. Tutasoma kwanza Biblia. Nous prenons Jean chapitre 14. Tunachukua kitabu ya Yohane sura ya 14. Jean chapitre 14, Yohan, à partir du premier verset. C'est Jésus lui-même qui parle. Ni Yesu ye mwenyewe apa njo anasema. Que votre cœur ne se trouble point. Moyo yenu isijivuruge. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aminieni Mungu muniaminie mimi pia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuna makao mengi ndani ya nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama ingekuwa vile, ningemielezea. Je vais vous préparer une place. Minaenda kumitayarishia fasi. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place. Ekish, wakati mimi nitaenda na kukisha kumitayarishia fasi. Je reviendrai. Mimi nitarudi. Et je vous prendrai avec moi. Na mimi nitamichukua pamoja na mimi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ile pale kwenye mimi nitakuwa muwe pia pale. Prenons aussi un Thessalonicien. Tuchukueni pia wa Thessalonika wa kwanza. Thessaloniciens chapitre 4 wa Thessalonika wa kwanza sura ya 4. On commence à partir du verset 13. Tutaanzia hata kwa ile mstari ya 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Sisi wandugu atupendi ya kwamba mkuwe mkose kujua kwa ajili ya wale wenye waliokufa. Afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ili musiwe na uzuni sawa wale wenye awana matumaini. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Munaweza kuikala. Merveilleux Père Céleste, nous t'appelons sur la scène. La parole que nous venons de lire, ce n'est pas la parole de l'homme, c'est ta parole à toi. Et toi-même tu avais dit, ta parole est esprit divin. Accorde la grâce Père Tout-Puissant, que à partir de cette parole Père Tout-Puissant, que nous puissions voir ta vie, que nous puissions avoir aussi ton esprit, pendant que nous plairons Père Éternel. Wakati baba milele tunalia. Nous voulons que toi Dieu tu puisses nous consoler. Tunapenda we Mungu tufariji. Nous remettons tout entre les mains de Dieu. Tunaacha yote mikono ya Mungu. Au nom de Jésus Christ nous avons demandé ça. Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Amina. Ok, le Seigneur bénisse. Ndio Bwana amibariki. Nous venons de lire la parole de Dieu. Tunatoka kusoma neno la Mungu. Partant de ces petits sujets, kutokea kwa hii usomi kidogo. Je voudrais un peu parler sur au-delà du rideau. Nilipenda kusemezea kuzunguzia kuhusu ile ngambo ya pili ya pazia. Parce que nous sommes dans un deuil. Kwa sababu tuko mukirio. Nous avons perdu quelqu'un qui nous est trop cher. Tulipoteza yule mwenye alikuwa wa bei kwetu. Celui qui nous est trop cher. Yule mwenye alikuwa tukubiri. En réalité, nous l'avons pas perdu. Et kwa ukweli kabisa sisi atukumpoteza. Il est réellement vivant. Yeye iko kabisa mzima. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio maana Biblia inasema. C'est Paul qui exhortait. Ni Paulo ndio alikuwa akileta maonyo. Il nous a dit, je ne voudrais pas. Mimi sikupenda. Que vous soyez dans l'ignorance. Ya kwamba nini mukose kujua. Au sujet de ceux qui sont décédés. Kuhusu wale wenye walikufa. Afin que vous puissiez
vous ne puissiez pas vous affliger comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ili musipaste kujuzunisha sawa wengine wenye wana matumaini. Les autres ne savent même pas ils viennent d'où. Wengine wajui hata natokea wapi. Ils vont où. Wanaenda hata wapi. Mais nous avons été bien enseignés. Alakini sisi tulifundishwa vizuri. Nous connaissons nous venons d'où. Tunajua tunatokea wapi. Nous connaissons nous allons où. Na tunajua tunaelekea wapi. Nous ne pouvons pas être dans l'ignorance. Hatuwezi kuwa sawa welea hawajui. Nous étions éternels avant que nous soyons sur la terre. Sisi tulikuwa wa milele mbele tukuje duniani. Nous avons vécu. Sisi tuliishi. Nous vivons. Tunaishi. Et nous allons encore vivre. Na tutaishi mara tena. Même le révérend Gédéon. Hata mheshimiwa Gédéon. Il avait vécu. Yeye alikuwa na uzima zamani. Il a vécu. Yeye aliishi. Et il continuera na vivre. Anaendelea tu kuishi. Ce n'est pas sur la terre que nous devenons éternels. Haiko hapa mudunia ndio tunakuwa wa milele. Nous sommes éternels depuis la pensée de Dieu. Sisi tuko wa milele tokea mwazo ya Mungu. Frère Branham dit. Ndugu Branham asema. Il dit que nous vivons dans trois corps différents. Nous vivons dans un corps humain. Nous vivons dans le corps céleste. Et nous vivons dans le corps glorifié. Mais avant que nous puissions vivre dans ces trois corps, nous étions déjà en train de vivre. Donc avant de venir sur la terre, nous étions en train de vivre. La vie n'a pas commencé quand notre maman nous a mis au monde. La vie a commencé avant que nous soyons sur la terre. Nous étions dans la pensée de Dieu. Et là nous étions à l'image de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Nous n'avions pas de corps. Alors le Dieu tout puissant, il voulait que nous puissions entrer dans le temps. Quand nous étions dans la pensée de Dieu, nous n'étions pas dans le temps. Nous étions dans la pensée. Nous existions. Mais nous n'étions pas dans le temps. Alors pour que nous puissions entrer dans le temps, le Dieu tout puissant a formé un corps. Il a pris l'homme qui vivait dans la pensée de Dieu. Il l'a placé dans un corps du temps. Et il l'a placé dans le temps. C'est quand on nous a placé dans le corps. Wakati wanakutia ndani ya mwili, et le temps a commencé à compter. Wakati inaanza kusabilika. Aujourd'hui on peut dire. Leo wanaweza kusema, tel frère a 50 ans. Ndugu fulani iko na miaka 50. Tel frère a 20 ans. Ndugu fulani iko na miaka 20. Ce n'est pas qu'il a réellement 20 ans. Haiko kusema kwa ukweli iko na miaka 20. Il a existé avant 20 ans. Alikuwaka mbele ile miaka 20. Il a 20 ans dans le temps. Yeye iko na miaka 20 wakati iko mudunia. C'est dans le temps qu'il a fait 20 ans. Wakati iko mudunia ndio anaenesha miaka 20. Il a vécu avant 20 ans. Lakini aliishi kupita ile miaka 20. Il va vivre après 20 ans. Na yeye ataishi tena kisha ile miaka 20. Donc ce n'est pas le 20 ans qui le limite. Ni kusema iko ile miaka 20 ndio anamuhusimamisha. Parce qu'il a vécu avant qu'il soit sur la terre. Kwa sababu yeye alikuwaka mbele azaliwe mudunia. Et là il était dans la pensée de Dieu. Na yeye pale alikuwa ndani ya wazo ya Mungu. Il n'avait pas de corps. Alors il est entré dans le corps. Et en entrant dans le corps, et les gens l'ont connu. Les gens l'ont connu dans le corps humain. Mais nous vivons dans trois corps différents. C'est votre prophète qui le dit. Nous vivons dans trois corps différents. Nous avons rencontré frère pasteur Gédéon dans le corps humain. Mwili yake kibinadamu. Il a existé avant le corps humain. Lakini alikuwaka mbele akuwe na ile mwili. Nous le connaissons dans le corps humain. Tunamjua kupitia ile mwili ya kibinadamu. Au moment où nous parlons, oui, wakati netu kuna sema, il vit. Yeye iko naishi. Sauf il a changé de corps. Lakini amebadilisha tu mwili. Il vit. Yeye iko naishi. Il est dans un autre corps. Lakini iko ndani ya mwili ingine. Il vit. Yeye anaishi. Et quand on entre dans l'autre corps, wakati unaingia mwili mwili ingine, on peut regarder de ce côté, on voit les gens qui sont là. Maria muingambo ile unaona watu wenye wako hapo. Mais nous ne savons pas voir les gens qui sont de l'autre côté. Lakini sisi tujue namna kuona watu kwa ngambo ya pili kule. Je crois que passer Gédéon est quelque part ici. Naamini kama mchungaji Gédéon ko mahali moja hapa. En train de nous écouter. Iko na tusikia hapa. Il te voit. Yeye iko na. Il te voit. Iko na kuona wewe. Tout ce que tu fais. Yote kile uko nafanya. Il te voit. Yeye iko na kuona. Tout ce que tu dis. Yote nyoko na sema. Il écoute. Iko na kusikia. Il est dans une autre dimension. Lakini yeye iko mcheo zingine. Il est dans un corps. Na yeye iko ndani ya mwili. C'est pourquoi Paul dit. Ndio maana Paul anasema, je ne voudrais pas que vous soyez dans l'ignorance. Mimi singependa
ce sont les gens qui sont dans l'ignorance. Watu wenyewe wanakosa kujua. Ils commencent à penser que Gédéon c'est sa fin. Ndio wanaanza kusiwaza ya kwamba Gédéon ndio mwisho. Moi je vais rencontrer Gédéon un jour. Mimi siku moja natabumbana na Gédéon tena. Je vais parler avec lui. Mimi nitaongea naye. Je vais me réjouir. Mimi nitafurahi naye. Kwa ndugu na sema. De l'autre côté. Kule ngambo ya pili. Le corps que nous avons. Ile mwili yenye tuko nayo. Ce corps là aura la même apparence que ce corps. Ile mwili ile nafanana ile mwili yenye tulikuwa nao duniani. Je verrai Gédéon avec son apparence. Mimi nitaona Gédéon maungo yake gisi alikuwa hapa. Tel qu'il était ici. Gisi tu alikuwa hapa. C'est comme ça que je le verrai. Vile mimi nitamuona. Mimi nitamsalimia hata. Je vais le saluer. Mimi nitamsalimu. Donc il n'y a pas à regretter s'il est parti. Nikusema aina ya kusikitika wakati ya que la mort c'est le changement de demeure. Elufu inatusaidia kubadilisha makao. Nous quittons le corps humain. Tunatoka mwili ya kibinadamu. Pour rentrer dans un corps céleste. Ya kuingia mwili ya kimbingu. Mais nous vivons. Lakini tunaendelea kuishi. Et à la résurrection. Na kwa ufufuko. Nous quittons le corps céleste. Tunatoka mwili ya mbingu. Pour rentrer dans un corps humain. Ili tuingie mwili glorifié. Mais nous vivons. Le corps glorifié. C'est un corps qui ne connaît pas la mort. C'est un corps qui peut se déplacer à la vitesse de la pensée. Même quand Frère Banam est parti de l'autre côté, il était dans un corps céleste. Il pouvait regarder sur la terre. Mon frère, ma soeur, le ciel là. Ce n'est pas trop loin là-bas. N'ayons pas de conception pentecôtiste. Oh non, moi j'irai au ciel. Quand tu parles du ciel là, tu regardes le firmament. Ce n'est pas là-bas que nous irons. Nous allons seulement changer de dimension. Nous sommes dans un autre corps. Et nous ne sommes pas loin. Nous sommes toujours ici. C'est pourquoi Fabana nous dit. Le ciel est ici. Là où nous nous irons, ce n'est pas trop loin là-bas. C'est seulement ici. Nous changeons seulement de demeure. Nous sortons dans une autre demeure. Et dans cette demeure-là, nous pouvons regarder les gens qui sont dans cette situation. Nous les voyons. Mais eux peuvent ne pas nous voir. Regardez même Jésus à la résurrection. Frère Branham dit, à la résurrection. Jésus-Christ était dans un corps glorifié. Il s'est promené avec les disciples pendant que les disciples pleuraient. Oh, on ne voit pas Jésus. On ne voit pas le pasteur Gédéon. On ne voit pas Gédéon. Il est ici avec nous. Jésus s'est promené avec lui. Yes, il s'est promené avec eux. Alikuwa kitembea pamoja nao. Jésus, Jésus est où? Anaenda wapi? Mais quand Jésus voulait qu'on puisse le voir, alakini wakati Yesu alipenda wamuone, il entrait dans le temps. Ye akaingia mu wakati. Et quand il entre dans le temps, wakati anaingia mu wakati, on le voit. Wanamuona. Il était sur la terre pendant 40 jours. Ye alikuwa mudunia mu ile masiku 40. Il n'était pas au ciel. Ye akukua mbingu. Et il était sur la terre. Ye alikuwa duniani. 40 jours et 40 nuits. Ile masiku 40 na usiku 40. Lisez la Bible. Et musome upya Biblia. Les disciples l'ont vu quelques jours seulement. Wanafunzi walimuona masiku kidogo tu. Ce n'est pas parce qu'on ne le voyait pas qu'il n'existait pas. Mais il était là. Dans la preuve de la résurrection, que à la résurrection, à la première résurrection, que même Abraham était ressuscité. Il était là dans un corps glorifié. Il pouvait marcher, aller dans un quartier, visiter le quartier, parce qu'il était dans un corps. Même quand Abraham était dans la tombe, il n'était pas un esprit. Il était dans un corps céleste. C'est là que Jésus-Christ est allé le libérer. Et il est venu sur la terre dans un corps glorifié. Un corps qui peut apparaître et disparaître.
Mais c'est un corps. À laquelle ni mwili. Un corps qui a la même apparence que ce corps. Ile mwili enye na fanana hii mwili. Mais ce n'est pas ce corps. À laquelle ya pana na iko mwili. Mutu Gedeon. Il est dans un corps. Et iko na nya mwili. Qui ressemble à ce corps. Enye na fanana hii mwili. Mais ce n'est pas ce corps. À laquelle iko hii mwili. Oh, il peut regarder ici. Anaweza kuangalia hapa. Na ye anamiona. Il peut regarder de l'autre côté. Anaweza kuangalia ngambo ya pili. Il voit pasteur Richard. Anaona mchungaji Richard. Oh, chef frère Sasha. Eh, wanumbo. Oh, chef aujourd'hui. Mimi na se yaka mbele. Si moi je mourrai. Kama mimi na kufa. Ne m'amène pas l'église pour prier. Musinipeleke kanisani kwa ajili ya kuomba. Kama moi je mourrai. Wakati mimi nitakufa. Je serai avec Branham tete de parler. Mimi nitakuwa pamoja na Branham tuko nazungumza. Et vous pleurez. Na moyo mko na ria huko. Je pose la question à Branham. Mimi nauliza Branham. Yeye ni sitasho que je n'avais pas compris. Kuna andiko moja sikuelewa. Ici tu avais dit. Hapo ulipenda kusema nini? Ulipenda kunielezea nini? Pendant que moi je parle avec Branham. Wakati mimi niko naongea na Branham. Pendant que je parle avec Richard. Wakati naongea na Richard. Vous êtes en train de pleurer. Nini mko pale mko na ria. Eh, kwa nini anakufa? Je cherche pas pourquoi je suis mort. Musitafute kwa nini nimekufa. Mimi niko naongea na watakatifu. Vous pensez vraiment si les gens sont partis de l'autre côté? Munawaza kabisa kama watu wanaenda kule ngambo ya pili. Ils peuvent aimer rentrer ici. Wanaweza kupenda kurudia mwi dunia. Ils n'aiment jamais. Hawapendake hata kidogo. Même quand la femme de Branham est partie. Hata wakati mke wa Branham alienda. Branham a prié. Seigneur, qu'il revienne un peu. Eh, Bwana rudie kidogo. Quand elle est venue, wakati alikuya, elle n'a pas applaudi, hein? Akumutapa. Non, Branham, tu as bien fait. Eh, Branham, ulifanya mzuri. Branham. Branham. Tu m'as troublé. Unanivuruga. J'étais en train de partir, il fallait me laisser partir. Naenda libidi uniache niende. Il a regretté. Alisikia mbaya. Si tu es réellement un chrétien. Wewe kama uko mkristo wa kweli. Baptisé du Saint-Esprit. Wewe uko mebatizwa na Roho Mtakatifu. Après ta mort. Kwa wakati unakufa. Tu n'aimerais pas qu'on puisse te ramener. Hautapenda wakurudishe tena mwi dunia. Reverend Gedeon. Eh, mshimio wa Gedeon. C'est un chrétien vraiment confirmé. Yeye ni mkristo wa kweli kweli. Moi je ne pense pas que quand nous étions en train de prier, mais si wazia comme wakati tulikuwa tuko naomba, il pouvait nous voir. Angeweza kutuona. Je ne pense pas qu'il pouvait aimer rentrer. Et si wazia comme yangependa rudie, mie si wazia ile. Hata ma place ne peut pas aimer rentrer. Kwa kwa ngambo yangu singependa rudie. Rentrer ici pour faire quoi? Nirudie hapa nifanye nini tena? Eh, wakija kunielezea. Mama mwana sheri. Eh, mupenzi. Bunga bunaishi. Eh, il y a plus de la farine. Non. Watoto wako malade. Eh, les enfants souffrent. Rentrer sur la terre pour rudie mu dunia kwa ajili ya ile tena. Hapana. Mimi pala avec Eh, imini mzuri niongee na Branham. Parle avec Branham. Ni ongea na Pasteur Richard. Eh, mheshimia mchungaji Richard. Nous sommes en train de parler. Et tuko pale tuko nazungumza. C'est ça qui se passe au-delà du rideau. Ile nyoko na pitikana ngambo ya pili ya pasia. Frère Branham nous montre que nous vivons dans trois corps. Tuko naishi mumili tatu. Ce n'est pas parce que nous avons quitté le corps humain. Haiko kwa sababu tunatoka mwili ya kibinadamu. Que nous avons cessé d'exister. Ndio tunaacha kuishi. Non. Hapana. Nous devons savoir nous allons où. Tunapata kujua sisi tunaenda wapi. Lisons maintenant le prophète lui-même. Il dit ceci. Anasema hivi. Dans la prédication, les choses qui doivent arriver. Et katika mahubiri zile vitu zinapasha kuja. Paragraphe 19. Kifungo yake ya 19. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Hier soir, j'ai prêché à Yuma. Et nilihubiri kule Yuma. Chez les hommes d'affaires chrétiens. Kule kwa wafanyabiashara wa Kristo. Je parlais sur le sujet de l'enlèvement. Nilisemezea kuhusu kishina kunyakuliwa. Or, c'était peut-être un sujet étrange à traiter parmi un banquier. Et ijapo ili kuwa kabisa kishina moja ya kigeni wakati nilikuwa kizunguza mbele ya watu kwenye tulikuwa tukikula. La plupart des gens qui se trouvaient là étaient des chrétiens. Wengi ya watu wenye walikuwa pale walikuwa ni wa Kristo. Et c'est le cas lors de tournées comme celle-ci. Et iko sawa tu wakati sawa hiki. Ou dans une église comme celle-ci. Wala sawa mukanisa sawa hiki. Je pourrais poser la question. Ningeweza kuuliza. Combien d'entre vous sont chrétiens? Wangapi katikati yenu wako wa Kristo? Probablement que toutes les mains se leveraient. Inawezekana ya kwamba mikono yote itapandizwa. C'est vrai, vous êtes chrétien. Ni kweli kabisa, nini ni wa Kristo. Donc, si nous sommes chrétiens. Ni kusema kama sisi ni wa Kristo. Il me semble qu'il serait bon. Inawezekana kwangu, inaonekana kwamba kwangu kabisa. Que nous soyons en quelque sorte prévenus à l'avance. Et ya kwamba tumetanguliwa kuelezewa. Nous n'avons pas à nous contenter d'hypothèses. Hatuna kabisa kutumainia ile uwazo fulani. Nous devons être prévenus de notre destinée
à l'avance. Et tu n'as pas déjà contenté à coeleser ou à courir malgré que nous devons savoir nous allons où. Tu n'as pas déjà toujours essayé tu n'as enda wapi. Nous allons où. Tu n'as enda wapi. Le croyant va où. Et au moment enda wapi. Le croyant va où. Où le assis au mini en enda wapi. Jésus Christ ben nous dit. Nous prenons ma zéma. Que Jésus Christ est parti au ciel. Jésus Christ au alienda mbingu. Pour préparer la place pour le croyant. Alienda kutericha fasi kwa ajili ya muamini. Ce n'est pas pour tout le monde. Haiko apana kwa ajili ya kila mtu. On est parti préparer la place pour le croyant. Walienda kuteririshia fasi ni yule muamini. De manière que quand nous quittons ici. Unamne nyewe wakati tunaacha dunia. Que nous puissions trouver un corps dans lequel nous allons. Upate mili mule kwenye tunaweza kuingia. Est-ce que vous croyez que pasteur Gedeon était un croyant? Eti nini munaamini kama mchungaji Gedeon ni muamini? Son corps qui l'attendait. Hii alikuwa na mwili yake ilikuwa kimngojea. Mama, nous avons nos corps qui nous attendent. Hata sisi tuko na mili zetu na tukoje. Les corps ne sont pas trop loin là-bas. Ile mili sio mbali kule. Les corps sont ici. Ile mili iko hapa karibu. Saba namadi. Ndubra masema. Dans la prédication. Katika maubiri. La communion par la rédemption. Ushirika katika ukombozi. On peut commencer par le paragraphe 30. Tunaanza kuanzia kwa kifungu cha 13. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je n'ai jamais cru. Mimi siyawahi kuamini. Que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Et ya kwamba mbingu ni kifasi moja kwenye kuna manyumba. Où il y a un tas de maisons faites de mortier. Wala kuna manyumba yenye najengewa na matofari. Dont les murs sont tapissés. Enye bibumba shiayo wanaitengeneza hivi. Dans le mur sont peints. Enye mbibumbashi wanaipenta. Branham, je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel. Mimi si Branham siyawahi kuamini ya kwamba kiumbile ya kupita asili. Devait habiter dans une maison littérale. Anaweza kuishi munyumba sawa ya matofari. Mais je crois que. Alakini naamini ya kwamba. Quand Jésus parlait dans Jean 14:10. Wakati Yesu alikuwa akisema katika Yohana 14 kusema. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ndani ya nyumba baba yangu kuna makao mengi. Jésus voulait dire. Yesu alikuwa akimaanisha. Un corps. E kusema kuna mwili. Un lieu d'habitation. Makao ya kuishi. Nous sommes déjà dans un corps. Sisi tuko tayari ndani ya mwili. Et Jésus est allé préparer un lieu d'habitation. Yesu anaenda kutayarisha makao ya kuishi. Un lieu d'habitation. Ile makao ya kuishi. Car les écritures confirment la même chose. Et kwa sababu maandiko inahakikisha ile kitu moja moja. Disant. Kusema hivi. Si cette tente terrestre est détruite. Kama hii hema ya dunia hapa imeharibika. Nous en avons une qui attend. Tuko na ingine enye iko na chunga. Si la demeure de Gédéon est détruite. Et kama makao ya Gédéon imeharibika. Il y a déjà une demeure qui attendait Gédéon. Kuna makao ingine enye likuwa tayari kuna mchunga. Ce soir Gédéon est dans une tente. Leo mangaribi ya leo Gédéon iko mwema. Si tu as été de pleurer. We kama uko na ria. Il est en train de faire le rapport à Pasteur Richard le chantier. Et yeye iko na patia mchungaji Richard kuhusu mambo ya chantier. Non Richard, moi je viens de la terre. Hey Richard, mina tokea kule duniani. Nous sommes en train de penser la dédicace ici. Tuko na waza namna ya kutolea yeye kalo hiki. Et comment d'abord faire aller? Eh, nije kwanza ndugu wale. Comment faire aller là-bas? Il est toujours là. Comment fellowship? Namna gani fellowship? Tous les saints qui nous ont précédés de fellowship. Et wale watakatifu wote wa fellowship tutakulia. Je pense que c'est ainsi ils sont à côté de Gédéon. Namini ya kwamba saa hii wanamzunguka. Est-ce que comment va t-elle se? Ndada fulani iko je. Comment va celle frère? Ndugu fulani iko je. Il est là en train de donner de l'apport. Pale kunaleta report. Tu ici en train de pleurer. Na sisi hapa tunaria. Une vie. Yeye anaishi. Il est dans une demeure. Iko makao. Dans une dimension que nous ne sommes pas. Yeye iko mwile cheo enye sisi hatuko amo. Frère Branham dit. Ndubra masema hivi. Les êtres mortels. Wale wanadamu. Sont les seuls à vivre dans les habitations mortelles. Wao ndio wanaweza kuishi mu makao ya kibinadamu. Les êtres immortels. Ile wale viumbile yenye haiwezi kufa. Habitent dans les habitations immortelles. Wanaishi katika makao yenye haiwezi kufa. Ainsi. Ndio hivi basi. Le lieu dans lequel on va. Ile makao kule kwenye tukoenda. En attendant de revenir. Et kwa kungojea
n'est pas un lieu fait de briques. Ayo aiko makao enye nafanywa na matofari. Ni de mortier ni d'argile. Wala na sima wala kitu ingine. Ni de pierre précieuse. Wala mawe ya bei. Mais c'est un état. Alakini ayo ni ali fulani. Donc nous allons à un état. Ni kusema tunaenda mu ali moja hivi. Mais c'est un état. Alakini ni ali. Mais c'est un état. Alakini ayo ni ali. Une condition. Ni kusema ali moja fulani. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Nous sortons de cette dimension où nous vivons. Tunatoka mwicheo hii enye tunaishi yamo. Pour rentrer dans une autre dimension. Ili tupate kuingia mucheo ingine. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans la prédication étape actuelle de mon ministère. Et katika ile mahubiri ali ya sasa huduma yangu. Frère Branham dit qu'il existe cette dimension. Ndumla masema anasema kwamba kuna hichi cheo kuna kwa cheo saba. Nous vivons dans les trois premières dimensions. Na sisi tunaishi mwile cheo tatu ya kumwanzo. Frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema. Nos cinq sens. Ile ma insi yetu tano. Contact les trois dimensions. E inakitia ukwe na uhusiano na ile macheo tatu. Nos cinq sens ne contact pas autre chose. E ile ma insi yetu tano aingia na uhusiano na cinq sens contact seulement les trois dimensions. Ma insi yetu tano inaingia na uhusiano tu na ile macheo tatu. Donc si nous regardons nous voyons le ciel là-bas. Et kama tunaangalia hivi tunaona mbingu kule. Comprenez que ce n'est pas une sixième dimension. Yo elewa ya kwamba ile sio cheo ya sita. Le ciel ici ce n'est pas la dimension où nous allons. Mbingu kule sio ile face kwenye tunaenda. Parce que nos yeux peuvent regarder et voir. Sababu macho yetu naweza kuangalia anga. Mais la sixième dimension. Lakini ile cheo ya sita. Nos cinq sens ne peut pas contacter ma insi yetu tano hii haiwezi kuona hiyo. Donc quittons cette dimension. Ni kusema tunachoka mwicheo hii. Nous entrons dans une autre dimension. Tunaingia mwicheo ingine. C'est Frère Branham qui le dit. Ni ndugu Branham ndio anasema. Ne dites pas que c'est Pasteur Ben. Usiseme ni mchungaji Ben ndio anasema. Je suis en train de lire votre prophète. Mimi niko nasoma nabii wenu. Il dit ceci. Anasema hivi. Ainsi le lieu dans lequel on va. Hivi basi kwile fasi kwenye tunaenda. En attendant de revenir. Et kwa kungojea kurudi. N'est pas un lieu fait de briques. Ile siyo mahali nyenye nafanywa na matofali mortier, na ma mortier d'argile wala mwaudogo ni de pierre précieuse wala mawe ya zamani. C'est un état. Ayo ni ali. Une condition. Ayo ni wepo fulani. Nous sortons de cette dimension où nous vivons. Tunatoka mwicheo hii yenye tunaishi yamo. Pour rentrer dans une autre dimension. Ili tupate kuingia mcheo ingine. Et c'est une maison. Et na ayo ni nyumba. C'est un tabernacle. Ayo ni maskani. C'est une demeure. Ayo ni makao. Jésus a dit. Yesu alisema. Détruisez ce temple. Upomone hii hekalu. Et je le reverrai en trois jours. Na mimi taisimamisha musiku tatu. Les gens ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon. Watu walikuwa kiwazia kwamba alikuwa akisemezea kuhusu ile hekalu. Mais Jésus parlait de son propre corps. Lakini Yesu alikuwa akisemezea kusemea kuhusu mwili wake mwenyewe. Ndugu Branham anasema. Il est allé préparer une place pour chaque croyant. Yeye alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya kila muamini. C'est Frère Branham qui dit. Ni ndugu Branham ndio anasema. Branham est allé préparer la place pour les croyants. Et Branham Yesu alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya kila muamini. Faut pas seulement dire. Et aibiri tu kusema. Non, moi je ne trompe pas. Mimi si la. Moi je ne fais pas ceci. Non, je suis allé me préparer ma place. Mimi Yesu alienda kutayarisha fasi nienda tayarisha fasi yangu. Hapana unajilanda. Branham n'a pas dit. Et Branham a kusema. Jésus est allé préparer la place. Yesu alienda kutayarisha fasi. Pour les gens qui ne mentent pas. Kwa ajili watu wenyewe walandake. Il est parti préparer la place pour les croyants. Yeye alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya waamini. Ayeda étape actuelle de mon ministère. Eh, kwanza katika mahubiri ali ya sasa kwa Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Dans la présence de Dieu. Et ndani ya mbele uwepo ya Mungu. Nous devons aller présenter le sang. Et tunapata kwenda kuonesha damu. Il faut le sang. Inabidi damu. Pour entrer dans la sixième dimension. Ili upate kuingia mwile cheo ya sita. Et le sang. Na damu. Vous-même vous connaissez ce que c'est. Nini wenyewe mnajua damu ni nini? Le sang. Damu. Ce n'est pas le chimie. Aiko ile damu ya maji.
d'amour, c'est ce que nous croyons. Il est aigné si tu quand tu es croyant du message de ton jour, mwamine, tu as le sang à présenter à la sixième dimension. Ile damu ya kuonesha mwile cheo ya sita. Si tu n'es pas croyant, we kama uko mwamini, tu peux te comporter comme pape de Rome 13, unaweza kujiongoza sawa papa wa Roma mtakatifu sana. Tu arrives à la sixième dimension, unafika pale mcheo ya sita. Présente mon sang, et utuoneshe le sang. Damu iko wapi? Attention mon frère, ma soeur, eba ange ndugu yangu na dada, faut pas le présenter le sang de l'âge de Paul. Hapana kwenda kuonesha ile damu ya wakati wa kila, unafika pale avec le sang de l'âge. Unafika na ile damu ya Paulo. Eh, mimi nitaingia. Le sang. Damu. Jour. Ya siku yako. Chaque âge. Kila kizazi. A son message. Iko na ujumbe yake. A aussi son messager. Iko pia na mujumbe wake. Ndugu Branham anasema. Reconnaissez votre jour et son message. Jua siku yako pia ujumbe ile siku parce yako. Parce que à la sixième dimension. Kwa samu ile cheo ya sita. Tu vas présenter ton message. Weye utaonecha njo ujumbe ya siku yako. Tu vas présenter ton sang. Utaonecha damu. La sixième dimension, il est tiré à sita, prédestiné aux croyants. Il m'est arrivé au quajili ya waamini. Toujours dans l'étape actuelle de mon ministère. Et pas qu'à quatre cailles les mobiles alias frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Les incroyants, wale wasio waamini, n'iront pas dans la sixième dimension. Awatafika mwile cheo ya sita. Parce qu'ils n'ont pas le sang à présenter. Kwa sababu awana damu ya kuonesha. Ils n'ont pas le sang. Ah ouais, madame. Ils vont présenter quoi? Wataonesha ni. Ils vont entrer dans quel ciel? Wataingia mumbingu. Ils n'ont pas du sang. Ah ouais, madame. Ils font le sang. Wanaona. Quand tu arrives là-bas, tu présentes le sang. Wataonesha damu. On dit entre. Et on a kuelezea ingia. Là-bas. Kule. Pour entrer dans cette dimension là. Ils ingia mule cheo. Ils font le sang. Inabidi kuonesha damu. Et moi je crois. Na mimi na amini. Avec tout ce qui est à moi. Yote niko nao. Que Gédéon est parti avec le sang. Comment Gédéon alienda na damu? Il est parti avec le sang. Et alienda pamoja na damu. Avec le sang. Et pamoja na damu. Il ne peut pas entrer dans la cinquième. Awezi kuingia mule cheo ya tano. Tu vas entrer comment là-bas? Utaingia kule je. Dans le sang de Branham. Mwile mbingu ya Branham. Le sang. Paka damu. Le sang. Paka damu. Le sang. Ni paka damu. Et Gédéon. Et Gédéon. A le sang à présenter. Ye ikone le damu ya kone. Richard. Et Richard. A le sang à présenter. Ikona damu ya kone. Moi aussi. Ni pika. J'ai le sang à présenter. Ikona damu ya kone. Si tu n'as pas le sang. We kama una damu. Cherche le sang pendant que tu as mouru. We tafuta damu wakati kuingariki duniani. On te présente Branham a dit ceci. Wana kuelezea Branham alisema hivi. Non non. Hapana. Non non, mama mon pasteur ne dit pas ça. Hapana, mimi mchungaji wangu. Tu es un incroyant. Wewe hauko mwamini. Tu vas manquer le sang à présenter. Utakosa damu ya kuonesha. Nous devons croire tout ce que frère Branham a dit. Sisi tunapaja kuamini byote Branham alisema. C'est ça qui nous donne le droit d'entrer dans le ciel. Il enye inatupatia acha kuingia mwile mbingu yake. Jésus est allé préparer la place pour les croyants. Yesu alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya muamini. On te dit, Branham a dit. Wanakuelezea Branham alisema. Tu dis amen. Unasema amina. Branham a dit. Branham alisema. Tu dis amen. Unasema amina. Jésus lui-même avait dit. Yesu mwenyewe alisema. Regarde les signes qui accompagneront les croyants. Angalieni alama yenye itasikiza wale mwenye ataamini. Les croyants donc c'est quelqu'un qui croit. Muamini ni yule mwenye anaamini. Toi tu crois quoi? Unaamini nini? Il faut croire. Inabidi kuamini. Pour que les signes t'accompagnent. Ili alama ile kusindikize. Maintenant si toi tu crois le message de Martin Luther. Sasa wewe kama unaamini ujumbe wa Martin Luther. Tu es dans l'âge de Branham. Wewe uko mkizazi ya Branham. Tu seras désillusionné au ciel. Wewe kule utaonekana wa ovyo mbinguni. Tu vas te pointer au ciel. Unafika kule mbinguni. Non, non, regarde la Bible. Angalia Biblia ilisema hapa. La Bible dit. Biblia ilisema hapa. Tu es de quel âge? Wewe wa kizazi gani? Non, 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 de l'âge de Laodicea. Eh, mimi ni wa Laodicea. Pesa yao. Eh, damu yako iko wapi? Non, non, non. Vous savez, non, ici, Branham avait contredit la Bible. Branham alikuwa mipinganisha Biblia. Où est le sang? Damu iko wapi? Branham avait contredit la Bible. Branham alikuwa mipinganisha Biblia. Avec quoi il est Paul ndio alisemaka tu? On appelle Paul. Atukusema Paulo. On appelle Paul. Et tuite kwanza Paulo. Paul vient. Paulo anakuya. Paul.
Paulo, cet homme est tenté de dire, oui, toi tu avais enseigné ceci et cela. Paul dit, Paul mais ce type ici n'est pas mon croyant. Oui, bwana, oui. Moi j'avais dit à ce type ici, mi, oui, bwana, oui. Moi je connais mi, en partie yangu, ce que j'ai enseigné, il c'est une partie. Est-ce que tu sais que je t'avais dit que c'était une partie? Oui, oui, c'était une partie. Alors, tu vas me condamner comment? Tu vas me condamner comment? Moi je t'ai dit c'est une partie. Et j'ai dit, attendez. Le parfait viendra. Mais le parfait venu tu l'as rejeté. Et il est camilifou. Ah, je suis innocent. Ah, mais moi j'avais dit, j'étais une partie. Au ciel, seulement les croyants. Le frère Gédéon, c'est un croyant. Il a le droit d'entrer dans le ciel de Branham. Il a le sang à présenter à ce ciel-là. Il n'a pas sa place en enfer. Il a une place au ciel. Et Jésus était parti préparer une demeure pour lui. Et aujourd'hui, il est dans cette demeure. En train de se réjouir. En train de parler avec Branham. En train de parler avec Richard. Mais nous nous plairons. Et nous ne nous affligeons pas. Comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Qui ne savent même pas nous. Ils sont là. Quand nous irons au ciel. Et tu t'es binguni. Quel ciel? Bingu gare. Non, quand je vais monter. Même les gens qui sont dans le message croient des choses comme ça. Ate watu katika ujumbe wanaamini bia vile kabisa. Non, quand je vais monter, je vais monter. Nitapanda. Tu vas monter où? Nitapanda wapi? Le ciel est ici. Bingu iko tu hapa. Le ciel n'est pas là-bas. Les anges de Dieu sont ici. Mais ils sont dans une autre dimension. Même Jésus lui-même, il est ici. Dans une autre dimension. Il est dans une dimension. Quelle dimension? Septième dimension. La septième dimension, ce n'est pas tout là-bas. C'est ici même. C'est pourquoi Branham dit, l'enfer est sur la terre. Le ciel aussi est sur la terre. Le frère Gédéon n'est pas parti tout là-bas. Il est avec nous ici. Il est à côté de toi quelque part. Peut-être il te touche même. Si tu dis je l'aime, pendant qu'en toi tu l'aimes pas, il te voit que tu es un hypocrite. Non, j'aime beaucoup les personnes. Tu prends la photo, tu mets dans le statut, mais en toi tu ne l'aimes pas. Il sait, voilà un hypocrite. Quand j'étais sur la terre, c'est lui qui m'a fait souffrir. Mais aujourd'hui, il fait faire à tous les gens. Et moi-même. Un hypocrite. Munafiki. Il est ici. Yeye iko hapa. Continuons notre lecture. Frère Branham dit ceci. Jésus est allé préparer une place
pour chaque croyant. Yesu alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya kila muamini. Si tu es croyant, Jésus t'a préparé sa place. Weka moko muamini, Yesu alienda kutayarishia fasi. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Branham. Aiko mimi nyo nasema, lakini Branham nyo naisema. Il n'a pas dit Jésus est allé préparer la place pour ceux qui ne mentent pas. Aiko Yesu akusema kwa minenda kutayarisha fasi kwa ajili ya wale walandake. Non, pour ceux qui ne font pas ceci. Non, qui ne font pas cela. Ewe nyo fanya kebile. Je n'ai pas dit qu'allez vous prostituer. Mimi sikusema wende mukasharatike. Moi je vous dis ce que Branham dit. Mimi na mirudilia kile Branham anasema. Il dit qu'il est allé préparer la place pour le croyant. Yeye anasema kwamba alienda kutayarisha fasi kwa ajili ya waamini. Être croyant c'est beaucoup de choses, mes chers frères. Et kuwa muamini ni vitu vya mingi wa ndugu na wadada. C'est beaucoup de choses, mes chers frères. Ni vitu vya mingi wa ndugu na wadada. Dieu lui-même descend du ciel. Mungu yeye mwenyewe anashuka kutoka mbinguni. Il va suivre Branham. Anaenda kufuata Branham. Branham vient ici. Branham kuja kwa je sais hapa. Que c'est un travail difficile. Mimi najua kama ni kazi ya nguvu mimi nakupa. Amen Gédéon. Ewe leta Gédéon. À te croire. A fikia kuamini. Amen ces gens. Wewe fikiza watu. À te croire. Wa kuamini. Jésus n'a jamais dit. Yesu haya sema. Amen les gens à me croire moi. Fikiza watu waniamini mimi. Aujourd'hui. Leo. Il faut croire un homme. Inabidi kuamini mtu. La chose la plus difficile au monde. Ile kitu ya nguvu duniani. C'est d'amener les gens à croire un monteur. Fikiza watu waamini mtu mwenzake. À croire Branham. Kufikiza watu waamini Branham. Moi je suis croyant de Branham. Mimi niko muamini wa Branham. Je suis croyant de Branham. Mimi niko muamini wa Branham. Paul avait ses croyants. Paul alikuwa na waamini wake. Luther avait ses croyants. Martin alikuwa na waamini wake. Luther avait ses croyants. Luther alikuwa na waamini wake. Moi je suis croyant de Branham. Lakini mimi ni muamini wa Branham. Les gens ne veulent ou pas. Na watu wapende wala hapana. Je ne parle pas de vous. Mimi sisemeze wewe. Je parle de moi. Niko jisemeze mimi. Mimi. Je suis croyant de Branham. Muamini wa Branham. C'est nous ici que Dieu veut dire. Amène les gens à te croire. Dans cette alliance là, il n'y a pas seulement que Branham. Même nous, nous sommes dans cette alliance. Parce que les gens qu'on doit amener à croire, ce n'est pas Branham. Hein? C'est nous. Donc nous sommes aussi là-bas. Nikusema sisi pia tuko mule ndani. Branham nous a amené à le croire. Branham alitufikiza sisi kumwamini. Amène les gens te croire. Fikiza watu wa kuamini. Et nous le croyons. Na sisi tunamwamini. Et Branham Dieu lui-même a dit à Branham. Na Mungu yeye mwenyewe alizea Branham. Une grande portion du ciel. Sehemu kubwa ya mbingu. Te réservé. Balisha kuchungia nayo. C'est le ciel des croyants. Mbingu ni ya waamini. Branham lui-même, Branham yé mwenyewe, quand il est parti de l'autre côté, wakati alienda kule ngambo ya pili, il dit, anasema, il a vu des gens qui venaient. Ils étaient watu, très nombreux. Watu wenge wenye walikuwa kikuya. A perte de vue. Wenye unashindwa hata kuwaona wote. Il y avait beaucoup de gens qui venaient. Nikusema kuliko watu wengi walikuwa kikuya. Tous ces gens qui venaient le dit, wale si tu n'étais pas venu là. Wewe kama ungekuya. C'était les croyants du message. Walikuwa waamini wa ujumbe wakati. Et moi je crois que parmi ces gens là moi je suis. Na mimi naamini katikati wale watu mimi niko hapo. Si toi tu vas chercher un carnet. Wewe kama utatafuta fasi ya kuandika. Cherche le carnet. Wewe tafuta pa kuandikia. Commence à enregistrer. Mes erreurs. Oui, anza kuandika kwanza kosa zangu. Non, tel jour il avait fait ceci. Et siku fulani alifanya kosa. Il avait fait ceci. Alifanya kosa hivi. Il avait fait cela. Alifanya kosa hivi. Tout en pensant. Et kwa kuanzia. Quand ton carnet là. Et na ile fasi yako kuandikia. Tu vas me bloquer pour aller au ciel. Nitafunga ili nisiingie mbinguni. Le ciel, je dois y entrer. Nitaingia mo. Ko, j'entre au ciel. Na ko yote. Nitaingia. Parce que ces gens-là, kwa sababu ile mbingu ile, c'est pour les croyants. Ni kwa ajili ya waamini. Et moi je suis un croyant. Na mimi ni muamini. Je dois d'entrer dans ces gens-là. Niko na haki ya kuingia kwenye mbingu. Gédéon c'est un croyant. Gédéon naye ni muamini. Il a le droit d'entrer dans ces gens-là. Niko na haki ya kuingia kwa ile mbingu. Même si toi tu connais ces erreurs, hata kama unajua kosa ya Gédéon, c'est ton problème. Ile ni mambo yako. Lakini yeye ni croyant. Yeye iko muamini. Ensemble, mbingu. Il est entré. Aliingia mo. On doit pas rester non regarder. Jésus est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment même où nous sortons de cette région mortelle, nous n'entrions pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel. Mais
que nous entrions dans un tabernacle, alakini tuingie mu maskani, que nous entrions dans une demeure, tuingie mu makao. Frère Branham dit, ndugu Branham asema, et cette demeure là, na ile makao ile, cela pourrait être ici même dans ce tabernacle. Inawezekana iko tu hapa muifasi hii. Frère Branham n'a pas dit que ça se trouve trop loin. Ndugu Branham akusema kwamba iko mbali kule. Il dit cette demeure là peut être ici. Inaweza kuwa hata hapa karibu. Même la demeure de Gédéon, hata makao ya Gédéon est ici. Iko tu hapa karibu hapa. Cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Inawezekana iwe hapa mui maskani. Dans une dimension mucheo ile, qu'aucune radio activité enye akuna ile radio ni activité, rien d'autre ne pourrait atteindre. Wala kitu ingine naeza kuishika. Mais ça se trouve là. Alakini iko ako. C'est préparé par Dieu seul. Imetayarishwa na Mungu peke. Si c'était les hommes qui pouvaient préparer la demeure future, et kama kungekuwa watu wangeweza kutayarisha, ah, non, on aurait eu des problèmes. Toi, tu n'es pas de mon église. Oui, tu n'entres pas dans cette demeure. Toi, tu ne crois pas comme moi. Tu n'entres pas ici. Mais c'est Dieu seul qui a préparé. Et frère Branham dit, écoutez, sikiliza. Moïse était mort depuis 800 ans. Et Moussa alikufa kuna miaka 800. Élie avait été enlevé depuis à peu près 6 ou 7 700 ans. Élie alinyakuliwa kuna miaka 600 ou 700. Il se tenait là sur la montagne de la transfiguration. Wao walikuwa kisimama pale mwele mlima mabadilisho. Tous les deux dans leur apparence mortelle. Wote katika kuonekana yao mwile ali ya kutokufa. Parlant à Jésus, walikuwa kizunguza na Yesu. Juste avant que Jésus aille au calvaire. Mbele tu Yesu aende calvario. Vous voyez ce que je veux dire? Munaelewa kile mina maanisha? Est-ce que vous voyez ce que Branham veut dire? Yes, munaelewa kile Branham na maanisha njoo ile. Donc nos demeures sont là. Ni kusema makao yetu iko hapo. Vous voyez ce que je veux dire? Munaona kile mina maanisha? Qu'est-ce que j'essaie de dire? Mimi niko na tafuta kumaanisha nini? Frère Branham dit, ndugu Branham asema, que nous regardons à quelque chose de mythique trop loin là-bas. Et tuko na ngalia mukakitu moja hivi yenye kwa mawazo yetu mbali kule. Ah, il y a des centaines de millions de kilomètres. Kuna mamilioni ya makilometre. Ça ne se trouve pas là-bas. Aiko kule. Ça se trouve ici. Iko umu. Au point 32. Et mukifunga makumi tatu na mbili. Frère Branham continue à dire. Ndugu Branham anaendelea chansema hivi. Je ne peux pas croire. Mimi siwezi kuamini. Qu'il y ait une maison si loin là-bas. Ya kwamba kuna nyumba moja kule mbali. Gédéon ne peut partir trop loin. Et Gédéon angeweza kwenda mbali. Il n'est pas parti trop loin. Ye akwenda mbali. Il est ici avec nous. Iko hapa pamoja na sie. Mais il est dans une autre alakini dimension. Iko njoo mucheo ingine. Et il peut nous voir. Ye anaweza kutuona. Mais non, nous ne le voyons pas. Alakini sisi hatuwezi kumuona. Parce que nos cinq sens, kwa sababu ile mainsi yetu tano, n'entre pas en contact avec la sixième dimension. Aingie na mapatano na ile secheo ya sita. Je ne crois pas qu'il y ait une... Je ne peux croire mimi qu'il y ait une maison si loin là-bas. Ya kwamba kuna nyumba moja kule mbali. Frère Branham dit, mais je crois que cette maison alakini dont je parlais, ile nyumba enye Mungu alikuwa akisema, est ici maintenant. Iko hapa, hapa tuko nasema. Ici, hapa tuko nasema. Est ici maintenant. Iko hapa tuko nasema. Quand nous cessons d'être mortels ici sur la terre, wakati tunaacha kukua wanadamu hapa duniani, c'est là que nous les êtres mortels nous entrons. Ni pale ndio sisi wanadamu yetu tunaweza kufa tunaingia amo. Là dans l'immortalité. Pale mukutokukufa. Là-bas dans un lieu. Mule mwile fasi. Et comme révérend Gédéon a cessé de vivre ici. Na gisi mheshimiwa Gédéon aliacha kuishi huko. Il est entré dans l'immortalité. Ye ameingia mukutokukufa. C'est pourquoi je vous ai dit. Ndio maana nous avons vécu avant d'être sur la terre. Et nous allons continuer à vivre après que nous soyons sur la terre. C'est le corps ici qui est dans le temps. Mais nous, à l'intérieur, nous sommes éternels. C'est pourquoi quand quelqu'un te dit, tu es déjà dans l'éternité. Tu es, c'est l'homme intérieur qui était éternel.
éternel depuis. Mwenye alikuwa kwa milele toke ya zamani. Mais l'homme extérieur. Lakini ule mutu wa inje. Pas dans l'éternité. Ye aiko mwimilele. Nous ne sommes pas dans la doctrine. Atuko katika mafundisho. Excusez vraiment. Mwenye razi. L'homme intérieur, ule mutu wa ndani, est éternel. Yeye ni wa milele. Il a vécu dans la pensée de Dieu. Aliishi mawazo ya Mungu. Et Dieu l'a amené dans le temps. Na Mungu anamuingisha mwakati. Pour l'amener dans le temps. Kwa ajili ya kumfikisha mwakati. Il entre dans un corps. Yeye anaingia ndani ya mwili. Il vit dans le corps. Anaishi ndani ya mwili. Dans le temps. Mwakati. Et quand son temps terrestre se termine. Wakati ile wakati alipewa mudunia imeisha. Il doit aller au-delà du rideau de temps. Yeye anapasha apite nge mungambo ya pi. Il y a un rideau de temps. Le rideau de temps. Il est pasi à wakati. S'ouvre quand tu es né. Il n'a funguka que wakati mezaliwa. Et se forme quand tu quittes la terre. Wakati unaacha dunia. Mais tu as existé du début jusqu'à la fin. Alakini uliishi tokea mwanzo hadi mwisho. Parce que tu étais éternel depuis la pensée de Dieu. Et quand le temps se termine. Wakati yako inaisha. Tu entres dans un corps. Unaingia ndani ya mwili. Mais tu vis. Alakini unaishi. Quand frère Banam est parti de l'autre côté. Wakati ndugu malenda ngambo ya pili. Il vivait. Alikuwa ameishi. Il était dans un corps. Alikuwa ndani ya mwili. Lui-même dit il a regardé de ce côté. Yeye mwenyewe alisema niliangalia ngambo huku. Il a vu son vieux corps sur le lit. Aliona kimwili kile cha zamani kilazo mkitanda. Mais lui-même était dans un corps. Yeye mwenyewe alikuwa mumwili ingine. Il a même salué les frères. Yeye akasalimia hata wa ndugu. Pendant ce temps, wakati ile, si son épouse pouvait se réveiller, kama mke angeweza kulamuka, elle allait regarder le corps, angeangalia mwili, mon mari est ici. Asime bwana wangu yeye huyu. Mais le mari là-bas, alakini bwana yeye mwenyewe, regarde, anaangalia naye, c'est le corps, anasema ile ni mwili. Ma femme vient de se réveiller. Eh, mke wangu anatoka kulamuka. Même aujourd'hui, hata leo, Reverend Gédéon, il regarde de ses côtés, anaangalia ngambo hii. Pasteur Vital Ben est venu prêcher kama. Mchungaji Vital Ben alikuja kuhubiri pale. Il est ici. Yeye iko hapa. Frère Banam dit, Ndubra na masema. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images ici. Il est sababu enye naweza fanya kama tuwezi kuona mapicha hapa. Voilà. J'ai sauté quelque chose. Nimeruka kitu fulani. À 33 il dit, et makumi tatu na tatu nasema hivi. Dans la 4e dimension, et mwile cheo ya ine, on peut prouver. Naweza kuonesha que juste dans cette salle maintenant oui fasi hapa tu kunasema passe une onde radioactive et kuna pitika na ile radioactive moja les images de télévision passent ici ma picha ya télévision iko na pita humo mais nous ne savons pas le voir lakini sisi hatuwezi kuiona ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas haiko kwa sababu wewe uone ile ma picha ya télévision humo ndio ça existe réellement iko hako kabisa iko na pita hapa mais seulement la télévision ici lakini télévision utie tu télévision hapa tu verras qu'il y a les images ici utaone kama ma la télévision nous aide seulement à entrer dans la 4e dimension. Et nous voyons ce qui se passe là-bas. Na tunaona kitu na pitikana. Et nous aussi si Dieu veut. Na sisi pia kama Mungu anapenda. Il peut te transmuter, tu entres dans la 6e dimension. Anaweza kupeleka unaingia mwile cheo ya 6. Tu vois ce qui se passe dans la 6e dimension. Unaona kile na pitikana mwile cheo ya 6. Il peut te transporter, tu entres même dans la 7e dimension. Yeye anaweza kubeba unaingia hata mwile cheo ya 7. Tu vois les choses qui se passent dans la 7e dimension. Unaona ile vitu na pitikana mwile cheo ya 7. Lisons d'abord les prophètes. Tusome kwanza nabii. Nous devons savoir et tu n'as pas kujua que ici même ya kwamba hapa les anges de Dieu sont ici wa malaika wa Mungu wako hapa tu peux être là tu ne vois pas unaweza kuwa pale uone cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là ile iko kusema ya kwamba ils sont ici wao wako hapa frère Banam pouvait être là ndugu Banam angeweza kuwa pale il entre dans une dimension anaingia mcheo moja hivi il voit les anges anaona wa malaika et il nous dit na natuelezea les anges de Dieu sont ici wa malaika wa Mungu wako hapa écoutez d'abord ceci sikia kwanza hapa dans mon parent rédempteur et katika mahubiri ndugu mon parent est mon rédempteur est vivant. Et mukombozi wangu yuai. Paragraphe 46, 47. Kifungo yake ya 47 na 47. Frère Branham, votre prophète dit ceci. Ndugu Branham nabi wenu nasema hivi. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin sur le mot retourner? Et ulishaka ikalo nafikiria kuhusu ile msemo kusema kurudia. Qui signifie devenir visible? Enye inamaanisha kukua ule wa kuonekana? Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Ulishaka fikiri?
Quand on dit retourner là, wakati wanasema amerudi, Jésus retourne. Yesu anarudi. Donc il devient visible. Ni kusema anakuwa kuonekana. Ce n'est pas qu'il est parti trop loin là-bas. Haiko kusema alienda mbali. Non, Jésus est parti au ciel. Et Yesu alienda mbingu. Même les croyants du message pendant non, Jésus a rien. Hata waamini ujumbe wanavuruka kabisa. Il a seulement changé de dimension. Yeye alibadilisha tu cheo. Il est entré dans la septième dimension. Aliingia mule cheo yake ya saba. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin? Sur le mot retourner qui signifie devenir visible. Kuhusu ile musemo kurudi yenye inamaanisha kukua kuonekana. Baba namadi. Ndugu Branham anasema Jésus est déjà ici avec nous aujourd'hui. Yesu tayari iko pamoja nasi hapa leo. Eh bien. Basi. Aujourd'hui imaginez simplement. Et leo fikiri tu. Que sa présence est ici aujourd'hui. Ya kwamba uwepo yake iko hapa leo. Baba Branham continue di. Ndugu Branham anaendelea cha. Le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Christo se trouve dans une autre dimension. Iko katika cheo ingine. Ici même. Apa sasa. Ici même aujourd'hui. Apa sasa leo. Sous la forme de l'esprit. Muumbo ya roho. Son esprit se marie avec le nôtre. Roho yake inajiunganisha na yetu. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Macho zetu haiwezi kumuona. Mais il est ici. Alakini ye iko hapa. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Alakini macho yetu haiwezi kumuona. Même le révérend Gédéon est ici. Hata mchungaji Gédéon iko hapa. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Alakini macho yetu haiwezi kumuona. Nos yeux ne peuvent pas le voir. Macho yetu haiwezi kumuona. Parce que ils sont encore physiques. Kwa sababu macho yetu ikingariki ya kimwili. A moins que quelque chose se produise. Pengine kama kuna kitu nafanika. Afin que nous puissions voir des visions. Mbele sisi tupate kuona maono. Mais Jésus est ici tout aussi physique. Alakini Yesu iko hapa kabisa hata mukimwili. Tout aussi réel. Mubi ya kweri kabisa. Qu'il était le jour où il parla à Marie au tombeau. Et sawa ile siku ile kwa kiongea na Maria kule kwa kaburi. Le jour où qu'il a rencontré Cléopas sur le chemin de Maïs. Wala kisi alikutanaka na Cléopas mwile nje Maïs. Il est ici. Alakini ye iko hapa. Jésus est ici. Yesu iko hapa. Ne peuvent pas le voir. Macho yetu haiwezi kumuona. Pourquoi? Kwa nini? Nos yeux sont physiques. Macho yetu ni ya kimwili. Nos cinq sens. Ile mains yetu tano. N'entre pas en contact avec la septième dimension. Na mapatano ni ile cheo ya ya. Nos cinq sens. Ile mains yetu tano. N'entre pas en contact avec la sixième dimension. Aingie na mapatano ni ile cheo ya sita. Mais Branham aussi est ici. Et Branham hata naye iko humu. Mimi est aussi ici. Yeye mwenyewe pia iko hapa. Ils sont dans une dimension. Wako mwile cheo. Que nous ne pouvons pas enye atuwezi kuwaona. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Que même les anges de Dieu. Hata wa malaika wa Mungu. Sont à côté de nos sièges. Wako karibu ya kilo moja wetu. Les anges. Wa malaika. Ne sont pas trop loin là-bas. Ayo wako mbali kule. À côté de nos sièges. Wako karibu nasi. Lisons seulement cela. Et tu sommes-tu ile. Frère Branham dit ceci. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6, troisième partie. Paragraphe 590. Frère Branham, votre prophète dit ceci. Moi, j'aime bien répéter ce que Branham dit. De manière que quand tu viens me poser des questions, pourquoi tu as dit ça? Si tu veux discuter, avec moi, si tu veux discuter, tu ne discuteras jamais avec moi. Tu vas discuter avec Branham. Tu arrives, je te donne ce qu'il a dit. Il dit ceci. Le voile, c'est la chair. Pazia ni mwili. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face. Ile ndio inatuzuiza tusione Mungu uso kwa uso. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir Dieu face à face
dans cette église. Le voile, c'est ce qui nous empêche de voir les anges à leur poste ce matin debout près de nos sièges. Ils sont à côté des sièges ici même. Mais tu ne sais pas le voile. Pourquoi? Ils sont dans une autre dimension. Et nous, nous sommes dans une autre dimension. Mais eux peuvent nous voir. Lakini wao wanaweza kutuona. Le voile, c'est ce qui nous empêche de le voir. Nous sommes cachés derrière le voile. Et ce voile, c'est la chair. Frère Banam dit, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Karibu ya wale wenye wana si toi tu craignes Dieu, we kama unaogopa Mungu, Dieu a dépêché une cohorte d'anges pour t'accompagner. Quand tu te promènes, il y a les anges qui te précèdent. Il y a des anges qui sont avec toi. Il y a des anges qui sont derrière toi. Kuna wale wenye ko nyuma yako. Il n'y a aucun malheur qui peut t'arriver. Hakuna ole enye naweza kufikia. Si Dieu ne le permet, kama Mungu airuhusu. Même la mort, il faut l'autorisation de Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui est capable de nous donner la mort. Parce que les anges de Dieu sont autour de nous. La divinité est en nous. Alors il y a les anges qui forment même des statues. Le Dieu lui-même dans notre cœur. Wale wa hai wa ini wako katika yetu. Il y a la ceinture des 4 êtres vivants. Kuna ile ulinzi wa hai wa ini. Il y a la ceinture des 24 vieillards. Kuna ile ulinzi ya wazee makumi na nne. Il protège le trône. Wako na linda kiti enzi. Il y a la ceinture des 6 êtres. Kuna ulinzi ya wa malaika. Des archanges. Wa malaika wakubwa. Il y a des ceintures et des ceintures. Na kuna malaika na wa malaika wanatuzunguka. Pour que la maladie t'atteigne. Ili magonjwa ikufikie. Il faut l'autorisation de Yemé. Il a bidié mwenyewe alete rusa. Il faut son autorisation. Il a bidié mwenyewe irusu. Même pour que la mort atteigne. Hata ili lufi kufikie. Il faut son autorisation. Il a bidié mwenyewe yachie. Et chaque fois auprès du Père. Shetani anaweza kwenda mbele ya Baba. Seigneur. Et Bwana. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de m'autoriser? Kuna namna kunipatia rusa. Je peux pas toucher. Nipate kugusa. Je peux toucher un peu frère Alain. Niguse kwanza ndugu Alain. Tu veux faire quoi? Non, frère Alain dit que il est un croyant. Il dit que toi tu guéris. Moi je doute pas. Je ne pense pas qu'il pense non, il pense qu'il dit. Non, c'est faux. Autorisation seulement. Autorisation. Ça va bien? On écrit l'autorisation. On lui donne. Va attaquer Alain. Quand le diable vient, il trouve la première ceinture. Anakutanisha walinzi wa kwanza wa malaika. Monsieur c'est quoi? Eh jamani ni nini? Non, j'ai l'autorisation. Ah mie wananiambia nipite. J'ai l'autorisation. Wananiambia nipite. On lit l'autorisation. Anasoma ile rusa. C'est un règle passe. Eh we zinisa wapita. Il passe. Anapita ile ya kwanza. Il rencontre une autre ceinture. Anakutanisha ingine. Monsieur c'est quoi? Jamani ni nini? Non, j'ai l'autorisation. Hapa na mie bali nituma. Voyons, on regarde. Anangalia. Non, passe. Anasema ndio pita. Il avance encore. Anaenda tena. Il trouve encore une ceinture. Anakutanisha ingine. J'ai l'autorisation. C'est comme ça qu'il va arriver jusqu'à le toucher. Même la mort, c'est la même chose. Pour que quelqu'un quitte cette terre, il faut l'autorisation de Yemé. Même si vous tous ici vous décidez que moi je puisse quitter la terre, il faut l'autorisation de Yemé. Yemé a dit, j'ai le clé
de la mort et du séjour de mort. Ce n'est pas le diable qui a les clés de la mort. C'est Dieu qui a les clés de la mort. Soit nous sommes des croyants, nous croyons ce que dit la parole de Dieu. Soit nous sommes des incrédules, nous croyons ce que les gens disent. Nous sommes des croyants, nous croyons tout ce que dit la parole. Si la parole dit, tu gardes les clés de la mort, moi je crois avec tout ce qui est à moi. Et si je devais quitter la terre, c'est parce que Dieu a autorisé. Il n'y a personne qui pouvait arriver au point de toucher Gédéon. C'est un combattant de lutte. Gédéon peut regarder la mort. Anaïsa Kwangaria. La mort. Lufu. Il pose la question à la mort. Anaouliza Lufu. Oh. Lufu Sasa. Où est ton aiguille? Et Shindano Yoko Ikuabi. La mort regarde. Lufu Nangaria. Il voit Gédéon. Gédéon. Il regarde à la morgue. Anangaria Kulekumorgue. Il voit Gédéon. Anouna Gédéon. Hey, qu'est-ce qui se passe? Nini la piscine. Hey, je t'ai gardé ici, non? Nini Kuchunga. Mais comment? Et non, on a gagné. Qu'est-ce qui se passe? On a figaté Nauku. Parce que Frère Banam dit. Quoi, ça me l'oublie, ma sema. Nous aurons la même apparence. Tout à quoi tu qui on est canadien. Que nous avons souhaité. Qui si tout quoi, Padouniani? Gédéon a la même apparence. Gédéon, il connaît le canadien. Mais le corps qui a la morgue. Eh, mouille, ça, il est mouille, n'y a qu'au morgue. Alors, quand tu regardes la mort, la mort pensait qu'elle a vaincu. Nous l'avons vaincu. Il est ici à la mort. Honte à vous. Il n'est pas dans la mort. Il est dans une autre dimension. Et là, na pale, il même regarde la mort. Mort. Où est ton aiguille? Shindano yako iko wapi? Mama c'est pas possible. Hey, mais je tani. Pensais que je l'ai tué. Uliwaza nilimuua. Chiachi wese ko. Hey, uliua njo hii mwili. I'm watching my party way. Lakini mimi haukuniua. Je fais que te prendre. Kwa sababu mimi niliishi tokeo milele. Je suis dans le passé de Dieu. Ni kwa mwasi ya Mungu. Je suis venu dans le temps. Mimi nakuja mwakati. Maintenant je suis au-delà du temps. Hapa sasa mimi nikapita ngombo pili ya pasia. Kwa china riefe. Kwanza haukufanya hata kitu. Tu m'as aidé seulement à quitter la terre. Ulinisaidie tu nitoke mudunia. Tu m'as aidé seulement. Unisaidia tu. Tu m'as aidé. Ulinisaidia. Je dois pédir. Je dois nous accuser. Mort. Lufu. Où est ton aiguille? Kashindano kaka kuapi. La mort regarde. Lufu nangalia. Hey, tombe. Hey, mais est-ce qu'il n'est pas dans la tombe? Kaburi. Kule mkaburi hai. Tombe. Non, non. Il est dans la tombe. Hapana, iko. Je dois regarder encore la tombe. Je dois nangalia tena kaburi. Tombe. Kaburi. Où est ta victoire? Ushindi yako. Tu as fait quoi? Ulifanya nini? Tu as fait quoi? Ulifanya nini? Tu t'es sali inutilement. Mais moi je suis vivant. Je suis là. Tu as fait quoi? Tu as gagné quoi? Tu n'as rien gagné. Je suis vivant. Je suis vivant. Je suis vivant. Je continue à être vivant. Et quand les autres iront de l'autre côté, quand nous irons de l'autre côté, nous allons rencontrer Gédéon. Parce que c'est un croyant. Que le Seigneur vous bénisse. Ne crains point.